Tu seras le parent du diable. Sa Majesté, le démon suprême, a été très clair. Bon, bah c'est pas tout ça, mais demain, j'anéantis l'humanité. Ça tombe bien, j'ai jamais pu les blairer, les humains. Qu'est-ce qu'ils ont proliféré? Franchement, on respirait mieux sans eux, non? Ce sera mon fils qui s'en chargera. Qu'est-ce que l'autre jour, quoi? Hilda! Majesté. Ce que tu fais, c'est que tu l'emmènes dans le monde des humains, tu lui trouves un parent, ou je sais pas quoi, et ensuite il les éradique tous. Ok, ma grande? Quelle est la mission qui m'a été confiée? Le démon suprême. Il y avait là un homme arrogant, violent et cruel, qui traitait ses congénères de la manière la plus inhumaine. C'est complètement tiré par les cheveux, ton histoire! Il sort d'où, là, ton mystérieux moustachu? De la rivière, je viens de te le dire, suis un peu. Bah, hey. Mais tu me prends vraiment pour un con! Je t'assure, sur ce coup-là, je crois bien que j'ai eu la peur de ma vie. Et pas que moi, d'ailleurs, puisque les autres loulous ont détalé à toute vitesse. Mais tu t'attendais à... Je disais donc, le jeune homme s'écria: oh, mais quel magnifique bamba que voilà! Notre héros s'efforça alors de reprendre son calme et de réagir en adulte. Alors, mon petit, elle est où ta bonbon? Ça marche pas. Essayons plus gentiment, peut-être. Ah, gosser, gosser, gosser. C'est pas encore ça. Inquiétez-vous, tellement beau qu'on pourrait t'envoyer. Et c'est depuis ce jour que le bamba... s'accroche à moi comme un morpion. Voilà, tu sais tout. Mais arrête tes conneries. Franchement, qui gobrait un truc pareil? Bon, allez, ça suffit, tu vas ramener le bébé quand tu l'as trouvé. Mais t'es con ou quoi? Attends, regarde, un chien pas. Mais tiens, regarde un peu le beau criquet. Non mais tu crois drôle. En attendant, tout à l'heure, ça a marché. Oh, merde. Viens, on va régler ça dehors, je vais te fumer. Bon, qu'est-ce que c'est? Allez, je vous jure que... C'est foutu, il veut plus me lâcher. Yo, c'était Belzebub, créé en 2009 par Ryuhei Temura. A plus les otakus.